Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges. Pour le mois de janvier, nous entamons donc cette nouvelle année 2022. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je regarde ce qui était sorti pour vous pour l'hiver, la saison hivernale, amis Vierge. Vierge et ascendant Vierge, paix et détermination pour vous, pour cet hiver. Donc, on va voir de quelle manière ça se présente. Donc j'ai tiré deux cartes de l'oracle Tao pour avoir votre état d'esprit général, l'ambiance générale ou le fil conducteur sur ce mois de janvier. Et nous avons la révolution et l'oppression. Alors, vous avez besoin ici de faire bouger des choses, de transformer des choses, d'effectuer un changement radical pour vous sortir d'une zone d'isolement intérieur. Hein. Vous avez fait le point, ou vous faites le point sur quelque chose qui vous isole, ou quelque chose qui vous oppresse intérieurement. Vous voyez, ce personnage ici est centré sur sa lumière intérieure pour se protéger de la noirceur de l'extérieur, la noirceur des autres peut-être. Et vous avez envie, avec cette carte de révolution, vous avez envie de changer les choses. Vous ne voulez plus rester enfermé sur vous-même. Vous voulez bousculer, renaître de vos cendres ici, hein, parce que cette photo n'est pas un phénix, mais ça me fait beaucoup penser à un phénix, c'est-à-dire vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de crier votre vérité, et afin de pourchasser tous ces corbeaux, hein, toutes ces ombres qu'il y a autour de vous. Il y a une situation, mais je pense qu'il s'agit plus de personnes qui vous oppressent, qui vous isolent, qui vous emprisonnent, mais qui vous poussent à vous emprisonner vous-même, à vous recroqueviller sur vous-même. Et là, vous avez envie d'exploser, de sortir, de naître, de renaître. Il peut y avoir la pression d'une personne qui a une autorité sur vous. C'est plus une personne qui a une polarité masculine. Une polarité masculine, et il y a une notion où vous êtes dirigé, vous êtes alors c'est pas manipulé, il peut être question de manipulation, mais en tout cas vous n'êtes pas libre de vos mouvements et vous voulez reprendre le contrôle, vous voulez pouvoir vous exprimer, faire ce que, agir comme vous le souhaitez en tout cas. Donc il y a cette notion au mois de janvier, de sortir de l'ombre et de vouloir exprimer votre lumière intérieure. On va voir de quelle manière, c'est vraiment contradictoire. Alors vous pouvez aussi vaciller, varier entre des périodes où vous devez être mis en lumière et des périodes où vous avez besoin d'isolement pour peut-être vous dégager des énergies négatives que vous aurez captées quand vous êtes obligé d'être en lumière, obligé d'être en contact avec les autres. Mais il y a une notion de se sentir sali, de se sentir sali. Alors ça peut être dans votre âme, ça peut être dans vos fluides, dans votre aura. C'est pas vous personnellement, dans votre âme et dans votre fort intérieur. C'est pas votre moralité qui est touchée, mais peut-être qu'on vous force à dire ou à faire des choses que vous ne souhaitez pas faire, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et donc, il peut y avoir une variation entre le moment de mise en lumière et le moment de repli. Vous avez besoin des deux pour vous nettoyer, pour vous purifier. Il y a aussi une notion ici de vous montrer, d'être obligé de vous montrer sous une image. Hein, il y a aussi cette notion de comment de montrer le sourire. J'ai un peu la chanson du clown de Soprano dans la tête avec, pour la définition. C'est-à-dire que vous devez montrer une image publique, mais à l'intérieur, ça n'est pas vous. Ça ne correspond pas à ce que vous êtes. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous vous retrouvez là-dedans. Je pense que ça peut correspondre à plusieurs personnes. Et vous avez envie, oui, de changer les choses, hein, de transformer les choses, de vous montrer sous votre vrai jour, de vous exprimer sur le fait que vous ne voulez pas ou plus être dirigé, mais être dirigé dans le sens où on vous fait dire ou faire des choses que vous ne souhaitez pas faire, qui ne correspondent pas à votre fort intérieur. Ok, alors on va regarder dans le domaine sentimental et affectif, ami vierge et ascendant vierge. Vous avez le magnétisme, vous avez la routine, le conte de fées et le cœur. Voilà, vous avez envie d'être plus... Ici, il y a plus de spontanéité, plus de... Il y a de la douceur ici, dans le domaine émotionnel. Il y a du respect. Il y a de la douceur, il y a du respect, alors envers vous-même. Et c'est pour ça que vous voulez faire craquer quelque chose là. Parce que vous faites le point pour vous respecter vous-même, pour respecter vos valeurs, pour ne plus être chamboulé émotionnellement. Alors peut-être que vous êtes amené durant ce mois de janvier à rencontrer des personnes qui ont le même taux vibratoire que vous, les mêmes affinités que vous. Il y a une sorte d'attraction alchimique qui se fait lors d'une rencontre ou sur des nouvelles personnes durant ce mois de janvier. Des personnes que vous rencontrez dans votre quotidien. Donc ça peut être des personnes qui font partie de votre entourage, de vos voisins par exemple, ou ça peut être dans le cadre professionnel. C'est des personnes que vous rencontrez dans votre quotidien. Voilà. Qui vous font prendre conscience que vous n'avez pas tort de penser comme vous pensez, que vos idées sont bonnes. Et là, il y a une notion d'être rejoint par des personnes qui ont une ou des personnes qui ont les mêmes positions que vous. Ok? Donc là, ouais, vous vous accordez plus de douceur. Vous prenez conscience que bon, vous ne vivez pas dans un conte de fées, hein, mais que vous êtes capable dans vos actions quotidiennes, de faire vivre un conte de fées, de faire naître un conte de fées. En tout cas, vous créez votre conte de fées. Vous idéalisez, vous mettez en place des choses qui vous permettent de vivre comme vous le souhaitez émotionnellement. Et il est question d'un amour sincère ici. Donc, si vous êtes en couple, on dit que votre quotidien est totalement bien réglé, que vous êtes en osmose avec les personnes avec qui vous partagez votre vie. Oh. Oui, vous êtes peut-être un peu dans la tête dans les nuages ici. Alors, attention à ne pas... L'introspection, c'est bien. Attention à ne pas trop perdre pied entre la vie, la réalité et le monde des rêves également, hein. Mais pour certains, vous tentez, vous faites le nécessaire pour faire de votre vie, vous idéalisez votre quotidien en fait, hein. Vous mettez en œuvre ce qu'il convient de faire pour que vous vous sentiez en paix, serein, pour faire coller au mieux l'idéal dans votre quotidien. Donc, pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir, vous êtes magnétique, hein, et vous rencontrez des personnes ou une personne qui a les mêmes affinités que vous, en tout cas actuellement. Le seul risque ici, le seul danger, c'est peut-être de ne pas trop idéaliser les choses, idéaliser la personne, rester quand même les pieds sur terre, mais autrement, laissez-vous vivre ce que vous avez à partager durant ce mois de janvier. Le quotidien est doux, les rencontres sont saines, des rencontres même amicalement hein, ou même dans le, simplement dans les contacts. Il y a une notion d'avoir les mêmes opinions, d'avoir les mêmes envies, d'avoir, même si les opinions sont divergentes, eh bien, il y a une compréhension. On comprend, vous comprenez l'opinion des autres. Voilà, il n'y a pas de jugement. Il peut y avoir une notion d'améliorer son confort intérieur, également ici. Son confort dans votre habitation, dans votre logement. D'améliorer les conditions de travail peut-être, ou les conditions de une meilleure gestion, une meilleure planification des tâches à effectuer durant la semaine. Un meilleur partage de tâches. Enfin voilà, il y a vraiment une écoute très douce, des échanges qui sont sains et qui sont mutuels. Voilà, c'est ça, il y a de la mutualité aussi là-dedans. On améliore le quotidien, on améliore la gestion journalière. Des projets à venir peuvent vous pouvez projeter par exemple, je ne sais pas, des vacances, les vacances de neige, les vacances d'été ou un week-end à projeter pour le printemps par exemple. Enfin voilà, vous pouvez vous projeter sur certaines actions qui vous permettent de décrocher de la routine également et de refaire vivre, remettre un peu de flamme dans vos relations, dans vos échanges. Tout se passe de manière ici très calme et très douce, hein. Contrairement à cette révolution qui est annoncée ici, on va voir sur quel domaine ça arrive, mais ici dans le domaine relationnel, c'est vraiment très doux. Hein. Et puis vous êtes magnétique également, vous êtes, il y a des attirances, qui, je pense, qui correspondent au taux vibratoire, à votre aura. Il peut y avoir de nouvelles rencontres constructives. Alors, pour le domaine vie pro, vie active, amis vierges, ah ben c'est là que ça chamboule. Ok, donc on a la tour à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, qui remue. On est ici vraiment dans la révolution. Hein. Donc, c'est le domaine vie pro, vie active ici. Je voyais bien quelque chose, quand je vous parlais de manipulation d'une personne, autorité supérieure, et ça peut être question d'un employeur. Ok, donc là, il y a quelque chose qui peut s'effondrer, mais qui s'effondre pour une bonne cause pour vous. Un effondrement qui est favorable, ici. La tour, ça veut dire peut-être que si vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas, il est temps de quitter le bateau avant que le bateau ne coule. Voilà, c'est une notion de claquer la porte ou de faire craquer quelque chose, une situation, de faire s'effondrer quelque chose qui ne tient pas la route. Et vous avez ici l'espoir qui suit l'effondrement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fracture, mais qui vous est favorable. C'est une fracture qui vous libère. Vous avez ici la sagesse. Donc, vous faites les choses en pleine conscience. Vous arrivez à, à tirer des leçons de... Alors, s'il y a des leçons à tirer, c'est plus dans le sens où vous prenez conscience que vous avez été amené dans une direction qui ne vous correspond plus. Voilà. Donc, voilà, il y a cette prise de conscience-là où vous savez que c'est le moment de vous extraire d'une situation. Et vous avez ici le stéthoscope, donc ça peut être effectivement en rapport avec le médical, avec le paramédical, avec la santé. Peut-être qu'il vous arrive quelque chose craque au niveau de votre santé, hein, donc ça peut être un burn-out, mais ça peut être une autre douleur du corps qui vous fait prendre conscience que vous avez été trop loin dans l'acceptation et dans le laisser faire, en fait. Hein. Donc, ça peut être un mal de dos, des douleurs dorsales, lombaires plus exactement. Voilà, donc ça peut être votre corps, quelque chose de médical qui vous fait prendre conscience qu'il faut arrêter, il faut que ça cesse. Voilà, donc vous prenez le temps de pause qui vous est imposé dans le domaine médical pour réfléchir à la situation. Vous essayez de trouver les bonnes réponses, à savoir dans quelle direction vous dirigez. Ici, avec cette carte d'espoir et d'étoiles, les mains qui vous sont tendues, je pense que vos questionnements, votre raisonnement, il y a une notion de clairvoyance ici avec le troisième œil et une notion de prière et d'être une prière qui est entendue. Donc, quels que soient les questionnements que vous vous faites ici, de manière totalement introvertie, donc il y a vraiment une coupure effectivement avec le monde extérieur pendant une certaine... Pendant quelques jours ou pendant une semaine, il y a une coupure franche et nette avec le monde extérieur ou avec le domaine qui vous oppresse ici. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une coupure franche et nette. Un arrêt de travail, par exemple. Mais pendant cette période-là, donc vous vous questionnez déjà depuis un moment hein, sur votre situation, mais là, on arrive à un point de non-retour où la vie vous impose, la prise de conscience vous impose de prendre une décision, d'agir, de fracasser quelque chose, de faire exploser quelque chose. Oui, alors peut-être que vous faites le point sur vos réserves, sur votre capital, capital santé, mais aussi sur votre... Si vous, par exemple, vous quittez un emploi, vous vous interrogez de quelle manière, quelles sont vos ressources, les ressources en votre possession, combien de temps vous pouvez tenir sans salaire, par exemple. En tout cas, vous vous interrogez au quotidien, encore une fois, on est beaucoup sur le quotidien. Hein, de toute façon, la Vierge gère la maison 6 qui représente le travail journalier. Donc, et vous cherchez les moyens de transformer votre situation. Hein. Et vous les trouverez, hein, parce qu'il y a vraiment la révolution ici, le fait que vous êtes... au bout de votre résistance dans cette situation et vous aurez les réponses. Si vous êtes à l'écoute de votre cœur, on est avec cette lumière intérieure ici, hein, d'écouter vos besoins, de savoir de quoi vous avez besoin et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et vous aurez, si vous êtes sur le bon questionnement, si vous êtes à l'écoute de votre lumière intérieure, de votre cœur, de ce que vous souhaitez dire et de votre moralité également, vous aurez les réponses durant ce mois, hein, et vous pourrez passer à l'action. Pour certains, vous passerez à l'action dès ce mois de janvier, plutôt sur la fin du mois de janvier, ou alors vous planifiez les choses pour vous libérer sur les mois à venir. Mais ça peut être très rapide, hein, parce que cette carte de la tour, c'est quelque chose qui est fulgurant. Voilà, donc c'est mieux quand c'est vous qui prenez la décision d'envoyer la foudre plutôt que ce soit vous qui preniez la foudre. Hein. Mais donc ici, on est sur une prise de conscience personnelle de la manière d'améliorer votre quotidien et également votre position socio-professionnelle. Vous aurez des soutiens qui vous sont apportés. Je pense qu'ici il y a du spirituel, donc vous avez aussi l'aide et le soutien de vos guides. Peut-être même que c'est l'univers qui vient ici envoyer la foudre pour que vous faire un déclencheur en fait, hein, pour vous faire un électrochoc. Ok, on continue. Domaine matériel et financier, amis vierges et ascendant vierge. On a ici les amoureux. Donc c'est une carte majeure, un arcane majeur. Vous avez le corps physique. Hein, donc vous voyez, il y a bien quelque chose au niveau du corps. Votre corps essaye de vous parler, de vous dire... Vous avez des alertes hein, de votre corps, hein. Donc si vous avez des mots qui se déclenchent à droite, à gauche, c'est qu'il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous vous devez arrêter. Hein. Vous avez ici la lumière, vous voyez, je vous ai parlé de prise de conscience, donc vous avez des réponses qui vous sont apportées et vous pouvez passer à l'œuvre de manière concrète. Et vous avez l'éléphant, ici, qui vous apporte la chance, le soutien. Alors, le fait d'avancer doucement, mais sûrement. Il y a une notion avec la mémoire également, ici. Très bonne mémoire, une très bonne réflexion. Donc, matériel et financier. Il peut y avoir quelque chose, donc une décision à prendre pour matérialiser une situation. Donc, on vous dit que les champs sont ouverts ici. Hein. Vraiment, il n'y a pas de blocage. Domaine matériel et financier, il peut être question d'un investissement ou de quelque chose à faire à deux, en couple. Peut-être que vous concrétisez une, ou vous officialisez une relation, en passant par le domaine matériel. Donc, ça peut être, je ne sais pas, ouvrir un compte en commun, acheter ou décider d'aménager sous le même toit que la personne. Enfin voilà, il y a une notion d'investissement matériel et financier dans le couple. On peut se projeter sur des, avoir des pensées pour un voyage également, pour aller au soleil, pour un projet qui peut avoir lieu pour l'été. Donc peut-être que vous pensez à ça durant le mois de janvier. Ouais, il y a vraiment une matérialisation, une concrétisation qui se fait pour vous. Dans le domaine financier matériel, quelque chose, il peut y avoir un coup de chance au niveau financier également. Vous pourriez percevoir une somme d'argent, alors attendue ou pas, mais en tout cas par la chance, hein, parce que l'éléphant rapporte quelque chose, rapporte la chance. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent, alors peut-être quelque chose en rapport avec un remboursement médical, mais pas que. On a deux fois le corps, ici, le corps, les analyses, le médical, donc il peut y avoir ça. En tout cas, voilà, vous concrétisez les choses, vous faites les choses avec amour, ça vous permet de vous projeter concrètement dans une relation, dans un couple, on officialise, on concrétise. Il peut y avoir une rencontre, hein, pour ceux qui sont célibataires, une rencontre amoureuse, hein, qui vous fait voir, qui vous font voir les choses différemment et qui vous font également penser différemment les investissements à venir. Investissements personnels et investissements financiers également. Ok, on continue. On est surprise et inattendue pour vous, amis vierges. On a l'empereur ici, en purée, 3 cartes d'arcane majeur. Ouais, c'est un mois important de consolidation pour vous ici. Hein. Dans tous les domaines. Hein. Spirituel, sentimental, matériel et professionnel. Hein, vraiment. Il y a la fin de quelque chose pour rebâtir quelque chose de plus solide. Quelque chose qui s'est écroulé. Et vous êtes vraiment prêt à rebâtir, reconstruire. Donc il y a un soutien d'une personne, d'un protecteur également ici, quelqu'un qui est très, très posé dans sa tête, très stable, qui a des qualités de commandement ici. Mais de commandement dans la bonne direction. Alors, on a ici la justice. Ok, bon, bah, je vais le dire, hein, parce que là, la justice, l'énergie et le coquillage. J'ai bugué parce que j'ai un message pour les personnes qui vivent un harcèlement ou de la violence au sein du couple. On vous dit que la justice vous répond et reconnaît votre statut de victime et qu'ici vous pouvez donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un dédommagement ici. Vous avez, pour ceux qui se sont extraits de la situation et qui sont en justice, il y a une réponse positive favorable qui vient à vous, et pour ceux qui sont encore sous emprise et qui sortent de ce climat de violence, on dit que vous êtes, que vous serez protégé, que vous aurez les moyens de consolider votre protection et votre statut. Ok, ouais, je vois il y a des blessures physiques ici. Bon, pour les autres. Là encore, on est dans les surprises et inattendues. Il y a encore des choses qui se concrétisent. On est dans la construction. Il peut y avoir des signatures, alors des signatures professionnelles, des signatures de contrat de travail qui vous permettent de passer à l'action. Il peut y avoir aussi des signatures de fin de contrat de travail qui vous libèrent et qui vous permettent de gagner en liberté. Il y a un équilibre de vos énergies qui se fait, une nouvelle vitalité qui arrive. On est vraiment dans la concrétisation. Il y a quelque chose qui s'équilibre et qui s'harmonise dans votre vie, dans votre quotidien. Ouais. Il y a vraiment la notion de passer d'un statut d'écrasement à un statut de liberté et de renaissance. Hein. C'est vraiment le phénix pour moi. On a ici également d'autres decks, la mort qui passe. Il y a une transition, vous finissez une étape pour vivre un nouveau cycle, une nouvelle voie. Une nouvelle vie. Il est question de sortir d'une période de procrastination, d'attente, de non-mouvement pour obtenir les aides et les soutiens pour passer à l'action. Alors, on y va dans ce sens-là. Donc, j'ai parlé de voyage. Il peut y avoir un voyage à l'étranger, dans des pays chauds, donc soit des pays, soit des îles, soit des pays où le soleil est très... un soleil très fort. Hein. Donc, alors, le magnétisme, la tour, le couple et l'empereur. On demande ici de ne pas se laisser brûler par le désir, par l'attraction, de rester... pragmatique dans vos choix et dans vos décisions. Ici, c'est vraiment la notion d'attention de ne pas se brûler les ailes. Hein. Vous voulez vous libérer, certes, mais attention de ne pas quitter un feu pour un autre feu. Si l'énergie vous transporte, le courage et la combativité vous transportent pour faire cesser une situation qui n'est plus tolérable, utilisez-le. Utilisez cette énergie, attention à ne pas brûler. Essayez de trouver l'harmonie ici, l'équilibre hein, dans vos actions, dans vos paroles. Ne passez pas d'un mutisme total à une rage totale. Donc ensuite, on a la routine, l'espoir, le corps physique, la justice. Il y a une situation du quotidien qui peut être également retrouver l'équilibre et vous donner l'essentiel. Des mains vous seront tendues, vous aurez des soutiens pour vous aider à équilibrer votre quotidien ou à vous donner, vous apporter l'essentiel s'il vous manque des choses concrètes et pragmatiques. Alors ça peut être par exemple pour garder les enfants le temps que vous alliez à un entretien, quelqu'un qui va chercher vos enfants à l'école parce que vous terminez plus tard, ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter des paniers de fruits, ça peut être... Enfin voilà, vous avez des soutiens, quelle que soit la manière dont ça arrive à vous. Il y a des personnes qui viennent vous prêter main forte, vous donner, vous apporter de quoi subvenir à l'essentiel. Il peut même être question d'un échange de troc, voilà, entre amis ou avec ces personnes. Voilà, donc vous rentrez en action pour mettre en place votre idéal de vie. J'ai cette notion de libération aussi. Il peut y avoir une manne d'argent qui vous arrive, une somme d'argent qui vous arrive, qui vous permet de pouvoir passer à l'action. Ou bien vous-même, non c'est bien ça, c'est une aide, des soutiens et des finances qui viennent à vous pour vous permettre de bouger. Donc ici, il s'agit d'un déménagement par exemple, ou qu'il s'agisse de programmer ce voyage ou ce déplacement. Vous avez les moyens de bouger ici, hein, mais de bouger en paix. Il y a vraiment ici une partie plus agitée sur le début du mois de janvier et ensuite beaucoup plus de calme. On retrouve la paix intérieure également. Vous êtes plus équilibré dans le domaine émotionnel. Des chances viennent à vous. Si vous êtes malade, il y a une amélioration de la santé, des énergies également. Une amélioration financière qui vient à vous. Une période de repos peut-être sur la fin du mois de janvier. Une période de vacances ou une période de retrait, mais en tout cas pour vous sentir bien. Voilà pour vous. Amis Vierge et ascendant Vierge, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous invite à regarder la guidance pour l'hiver, pour votre signe et également pour votre ascendant, pour compléter ou adoucir, ou peut-être que certaines choses ne vous ont pas parlé ici et que ça vous parlera sur l'ascendant, ou ça viendra compléter certains domaines. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.